Mes chers élèves de deuxième année primaire, bonjour. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Alors, je vous présente aujourd'hui une méthode de français avec l'arbre au mot. Alors, cette fois, on va voir la leçon d'orthographe. C'est une leçon vraiment très importante pour vous. Pourquoi? Pour maîtriser ce qu'on appelle la dictée et aussi l'orthographe des mots. Allons-y, on va découvrir ensemble la leçon d'aujourd'hui. Alors prenez s'il vous plaît l'arbre au mot et suivez-moi comme d'habitude sur votre chaîne Je communique civil. Alors la leçon d'aujourd'hui c'est l'orthographe. On a la leçon 4. Et ces différentes graphies. Alors, on va commencer par cette activité. Il suffit de relever les mots du texte dans lesquels tu entends le son. On dit l'orage, c'est calmer, calmer. Karim, Karim quitte la maison. Il court dans les flaques qui couvre, pardon, le chemin. L'orage s'est calmé. Karim quitte la maison. Il court dans les flaques qui couvrent le chemin. Il pousse un cri de joie et claque des mains en apercevant un magnifique arc-en-ciel. Il recule pour mieux le contempler. Alors vous allez tout simplement prendre votre livre, page 93, et suivez avec moi. Alors, il y a trois façons d'écrire le son avec la lettre C comme une couleur, le calme, un sac, le cartable. Le cartable. D'accord? Il y a avec que. Ça veut dire deux lettres Q-I-U. Comme l'exemple de un perroquet. Un moustique. Un paquet. Un chèque. Alors un perroquet. Un moustique. Un paquet, un chèque. Il est toujours avec Q. Il y a la lettre K, comme l'exemple de kiwi, un kiwi, un koala, un anorak, un kilomètre. Kilomètre, avec la lettre K, kilomètre. Koala, avec la lettre K, un koala. Un kiwi, alors kiwi, koala et kilomètre. Alors ici, l'orage s'est calmé. Alors on a ici, c'est devant A, se prononce comme K. Devant quelle lettre le son K s'écrit-il avec C? Avec C A, calme. D'accord? Avec C O comme cours, cours, couvre. Couvre. Avec Q, avec U, recul, U, recul, et les autres mots, bien sûr, comme l'exemple. Alors, il suffit de trouver A et U et O. Calmer, cours, couvre, recul, contempler. Il y a aussi devant un consonne, comme l'exemple de L, claque, O, R. Comme l'exemple de cri. Et à la fin du mot, comme l'exemple de sac, ou arc. Alors, devant quelle lettre le son K
sécrétie du cul. Alors, devant I comme kit et E comme claque. Parmi les mots que tu as retrouvés, quelles autres lettres transcrites ce sont? Il y a la lettre K comme Karim, c'est un nom propre. Voilà. Alors, on a déjà vu ça, je vous montre, on passe à autre chose. Alors, les mots se sont collés, se parlaient, écrits les étoiles des dessins. Carte ici. Kangourou ici. Alors, carte. Kangourou, casque, cube, raquette et clé. Carte, clé, cube, casque, raquette, kangourou. Alors, ici, c'est vraiment un jeu. Une activité vraiment très intéressante pour vous. Ça veut dire savoir comment ça s'écrit le son, comment ça s'écrit le mot avec la lettre C ou Q. Alors on dit une cabane avec C, cabane, une école avec C, bien sûr. Étiquette, non, avec U. Étiquette. Hein, je ne vais pas mettre ici C parce qu'elle est étiquette, non, étiquette. Une cuvette avec c'est pratique, c'est pas c'est pratis, c'est pratique avec Q. Un crabe, une équipage, équi, une cloche à lac avec la lettre C et la piquée avec Q. Alors une cabane, regardons ici, je mets la main ici avec C. Alors, une cabane, une école, une cuvette, un crabe, une cloche, un lac. Avec la lettre C. Avec Q, comme l'exemple de étiquette, comme l'exemple, c'est pratique, comme l'exemple de une équipage. Comme l'exemple de et la pique. On trouve les cinq intrus dans cette liste des mots commençant par le son K. Trouve les cinq intrus dans cette liste des mots commençant par le son K. Alors, les cinq intrus, il y a ce qu'on appelle chronomètre. Voilà. Normalement, on dit chronomètre, mais non. C'est chronomètre. Choral, choral, choral. Mais, kimono, 4, chaud, et chaud, chaud, chapeau. Voilà, chaud, alors, il y a chaud, chapeau. Le premier mot, c'est capitaine, kimono, 4, chronomètre, choral, col, quitter. Alors, on compte, capitaine, kimono, 4, kipi, chronomètre, choral, col. Quitter. Et les autres noms. Regardez ici. Citron. 1. Chapeau. 2. Cerise. 3. Centaine. 4. Ça s'écrit différemment. Alors, les neuf.
trouve les cinq intrus dans cette liste des mots commençant par le son K. Alors, capitaine, kimono, 4. Il y a chronomètre et il y a couronne. Chaud. Chaud ici. Centaine. Alors, 1 et 2, centaines, citron, chapeau et souris. Voilà. Chaud, passer les instruits. Chaud, chaud, centaines, centaines, citron, chapeau et souris. Les autres, c'est capitaine, kimono, 4, képi, chronomètre. Coral, col, quitter, kimono, 4, képi, chronomètre, coral, col, quitter. Alors complète les mots avec double C, CH et Q ou CK. Tu peux t'aider du dictionnaire. On dit le. Une crête sur la tête. Le coq. Hein? Oui, le coq. Avec U. Pour prendre le métro, il faut un ticket. 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 Oui, avec C. Mon frère est musicien. Les musiciens, ils jouent de l'accordéon, accordéon, avec deux C. Les enfants chantent le refrain en chœur avec CH. Chœur avec CH, accordéon avec deux C, un ticket avec un ticket comme ça. Le coq avec Q à la fin. Et c'est fini. Vous pouvez toujours voir sur Nuage, page 90, lis cette phrase du texte et relève cinq mots contenant son cas. Nuage se lance dans une course, course, effrénée pour m'accrocher, accrocher le choix avec la ficelle, je fabrique, autre, un lasso que je passe autour de lui. Nuage se lance dans une course, course, effrénée pour m'accrocher, m'accrocher, accrocher par le choix avec la ficelle. Je fabrique un lasso que je passe autour de lui. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. On vient de découvrir la leçon d'orthographe. Je m'en rappelle avec le son K et ses différentes graphies. Alors, la prochaine vidéo sera donc activité correction. Toujours avec l'orthographe, le son K. Au revoir, mes chers élèves de CE1.